On y va. Oh my god! Je suis heureux de Bélair! Et aujourd'hui, j'ai décidé d'innover. J'ai fait des pancakes au chocolat vegan. On va voir ce que ça donne. Hein. Parce que je maîtrise pas du tout encore l'art de la cuisson au niveau des pancakes. Parce que ici, au Canada, en fait, vous avez des électroménagers uniquement avec, enfin en électrique en fait. Donc c'est hyper chaud. Et je sais jamais, je me plante toujours, moi. Et sinon, le petit bébé, lui, il dort. Oh, je t'ai laissé longtemps, petit cœur. Oh, poulet. Poulet à ma moulette. Morning routine de Nikki. Oh là là, il aime pas ça. Quelqu'un qui a frappé à la porte. Another colis, ça m'en fait deux à ouvrir. Nikki, regarde, on a reçu des colis à maman. Deux colis aujourd'hui. Eh bien, dis donc, on est gâtés, nous, hein? On est gâtés. Bon, il y en a un que j'ai pas le droit de vous montrer, donc on va le laisser. Je laisse voir la marque. Ça par contre c'est très très intéressant. Je suis sûre que tu vas adorer, Nikki. Je suis sûre que tu vas adorer. Je n'y croyais plus, les gars. Je n'y croyais plus. Mais oui. J'adore cette boîte. J'adore cette boîte. Et toi, tu aimes bien cette boîte, Nikki? Oh. Oh yeah, bébé disrupteur, trop de la balle, elles sont trop belles, bébé Nikki, elle aime bien le papier. Ouais, je suis encore en pyjama et je suis pas encore maquillée et j'ai un pyjama œuf, voilà. Mais c'était juste pour répondre à vos questions. Vous êtes nombreux et nombreuses à me poser la question de savoir comment ça taille les filats disrupteurs. Donc je les ai essayés, ça taille petit. Donc j'ai pris un 37,5, ça me va parfaitement. Donc prenez une demi-pointure au-dessus si vous êtes intéressé. Donc je vais vous répondre en commentaire sur ma chaîne principale. C'est quoi, Matt? Voilà, toute prête, préparée, douchée. Et coiffé un minimum avec ces putains d'allergies qui continuent toujours. Je sais pas si y en a d'entre vous qui habitent au Canada, mais en tout cas, je me tape des grosses allergies en ce moment en sortant de Nikki. Je pense que c'est à cause du gazon, donc je peux pas trop me maquiller. En plus, j'ai le microblending, donc j'ai pas le droit de me maquiller pendant une semaine les sourcils. Donc en gros, je ressemble, je sais pas, je ne suis plus que l'ombre de moi-même en ce moment. Voilà, j'ai des gros sourcils et je ne peux pas me maquiller, donc une gueule de merde. Donc du coup, aujourd'hui, vu que c'est vendredi, c'est un peu plus calme que d'habitude. Donc je vais préparer Nikki. Ensuite, on ira manger avec le petit Yanou.
Et ensuite, on ira faire un petit peu de shopping. Parce qu'il faut que je trouve des habits d'hiver. Parce que ce n'est pas que, mais on est au Canada. Et comment vous dire, winter is coming. Donc, je viens de voir que Nikki a fait une bêtise. Tu as fait caca dans la maison, Nikki. C'est pas bien. Reviens par ici. Allez, tu dois te mettre ta laisse. Oh, punaise. L'enfer. Oh my god. Oh my god. This is bad bug, Nikki. Donc il est l'heure de partir. La maison est un joyeux bordel. Je rangerai plus tard. Donc j'ai une... un sac pour Nikki que j'ai trouvé à Toronto. Non, que j'ai trouvé à Montréal, celui-là à Montréal. Et la laisse à Toronto avec le petit harnais qui va avec parce que mademoiselle est minuscule, même si elle est puissante. Et ce qui fait que la petite cabane, comme je l'aime l'appeler, lui permet aussi de se protéger contre le froid. Et du coup, ça me permet aussi de l'amener dans des endroits... c'est-à-dire dans les centres commerciaux, etc. Parce qu'on n'a pas forcément le droit aux chiens et c'est un peu emmerdant. Et il fait froid en ce moment, elle est très frileuse. Je pense qu'il va falloir que je lui trouve un petit pull parce qu'elle se pèle le cul, la pauvre, mon petit poulet. Donc du coup, je la mets dans sa petite cabane en attendant. Il se barre sans moi, normal. Nikki, allez, allez, on y va. Et voilà, on est prêt à manger. Un peu tout décoiffé. Donc du coup, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Moi, je vais aller faire du shopping et je vous montrerai tout ce que j'ai acheté demain. Je fais de très très gros bisous.